Salut les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Dans ce nouveau tuto, j'aimerais vous montrer comment convertir des textes en voix off pour utiliser dans vos montages vidéo. Si vous êtes peut-être créateur de contenu, vous pouvez utiliser cette astuce pour convertir vos textes en audio afin d'utiliser dans vos montages vidéo. Et pour le faire, c'est très simple. Vous allez juste entrer dans Play Store. Vous entrez dans Play Store. Une fois dans Play Store, vous venez sur la barre de recherche, vous tapez T2S. Et vous lancez la recherche. Voici l'application en question, T2S. Vous allez juste télécharger et installer. C'est une application que j'utilise déjà depuis. Une fois que c'est fait, vous validez sur Ouvrir. Et vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. L'espace vide ici est réservé pour saisir le texte que vous allez convertir en voix off. Mais avant de saisir votre texte, vous deviez d'abord paramétrer l'application. Et pour le faire, vous allez venir sur les trois petits traits en haut à gauche de l'application, vous cliquez dessus et vous allez valider sur Settings, qui veut dire paramètres en français. Et ça va vous envoyer sur cette page. Ici, la première des choses à faire, vous deviez d'abord cliquer sur ce premier onglet pour choisir la langue que vous voulez utiliser. Ici, vous avez plusieurs langues. On a le français, on a l'albanais, le chinois, ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les langues ici. Vous choisissez la langue qui vous convient le mieux. Ici, nous allons choisir le français. Et dès que c'est fait, vous validez sur le deuxième onglet pour choisir la voix off que vous allez utiliser. C'est une voix de femme ou une voix d'homme. Ça dépendra de vous. Celle que nous allons utiliser, c'est une voix de femme. Nous allons valider sur France 4, qui est la voix de femme. France 3, c'est la voix d'homme. Donc, vous allez choisir la voix off qui vous convient le mieux. Et je vous rassure, cette application, elle est gratuite. Nous sélectionnons le cadre. Dès que c'est fait, vous rentrez sur la page principale. Et si vous allez saisir votre texte à convertir, vous voyez, vous pouvez saisir le texte. Nous allons juste copier un texte quelque part pour vite vous montrer. Je vais prendre un texte quelque part. Voilà, sur cet espace réservé pour le test, vous allez saisir votre test ou coller. Dès que c'est fait, vous allez d'abord cliquer sur Play pour écouter avant de convertir en voix off. Robyn Rihanna Fenty, mieux connue sous son nom de scène Rihanna, est une chanteuse, auteure-compositrice, actrice et femme d'affaires barbadienne. Née le 20 février 1988 à Saint-Michaël, paroisse de la Barbade, elle a rapidement attiré l'attention grâce à sa voix unique et son style musical novateur. Rihanna a commencé sa carrière. Après avoir écouté, si vous êtes satisfait de la voix que vous aviez choisie, vous validez ici sur les trois points en haut à droite et vous validez sur Export as audio film pour convertir en audio. Regardez le titre ici en bas, vous pouvez également modifier. Nous allons mettre un titre que nous allons aller regarder dans le fichier audio. On modifie le titre. Je vais mettre quelque chose, voix off. Dès que c'est fait, vous validez sur enregistrer. C'est déjà fini, nous venons de convertir ce test en voix off. Vous validez sur close et nous allons maintenant aller regarder dans le fichier audio. Une fois ici, on valide dans le fichier audio. Voici le texte que nous venons de convertir en audio. On va cliquer dessus, vous allez suivre. Robyn Rihanna Fenty, mieux connue sous son nom de scène Rihanna, est une chanteuse, auteure-compositrice, actrice et femme d'affaires barbadienne. Née le 20 février 1988 à Saint-Michaël, paroisse de la Barbade, elle a rapidement attiré l'attention. Après avoir converti comme ceci, vous pouvez maintenant utiliser dans vos montages vidéo. Si vous ne voulez pas parler avec votre voix dans vos vidéos, vous pouvez voir ici ce que je convertis chaque jour pour utiliser pour mes montages vidéo. Vous avez vu? Si vous ne voulez pas parler dans une vidéo, vous pouvez faire ainsi pour utiliser cette voix dans vos montages vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.